Le président turc Erdogan défend le Hamas et annule ses projets de voyage en Israël. Dans un discours enflammé, le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé ce mercredi 25 octobre que le Hamas ne constituait pas une organisation terroriste, mais plutôt un groupe de libérateurs qui protègent leurs terres. Il a ajouté que « vous ne trouverez aucun autre État dont l'armée se conduise avec une telle inhumanité » en référence aux représailles d'Israël à Gaza à la suite de l'attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre. Erdogan a également annoncé qu'il annulait tous ses projets de voyage en Israël, malgré le récent rapprochement entre les deux pays. Il a déclaré devant le Parlement « Nous avions prévu de nous rendre en Israël, mais c'est annulé, nous n'irons pas ». Cela survient après sa première rencontre en septembre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à New York. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me faire part de ce que vous pensez en commentaire, à partager, à liker, à vous abonner, c'est important si vous appréciez les vidéos et que vous souhaitez me soutenir, à activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Bonne journée à tous et à toutes, à la prochaine.